Ifriqiya FM, reportage. Une société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. Une entreprise pétrolière et gazière algérienne créée le 31 décembre 1963. C'est un acteur majeur de l'industrie pétrolière surnommé la Major africaine. Son Sonatrach est classée première entreprise d'Afrique. Son objectif principal, le transport et la commercialisation des hydrocarbures, mais aussi se déployer progressivement dans les autres segments de l'activité pétrolière. Le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz est prévu en Algérie du 29 février au 2 mars prochain. Les experts le qualifient d'une importance capitale dans le contexte géopolitique actuel. Ce forum, selon eux, se veut également un important espace de coordination et de dialogue autour du rôle du marché gazier, particulièrement en cette conjoncture de crise. À son tour, l'expert en énergie, ancien ministre égyptien du pétrole Oussama Karim, a mis en avant le rôle de ce sommet dans la coordination entre les pays exportateurs de gaz pour évaluer le marché. En prévision du 7e sommet du Forum des pays exportateurs du gaz, Sonatrach ouvre le débat et l'échange. Plusieurs thématiques sont abordées, notamment le trading ou la commercialisation du gaz. Les étapes, les moyens de son transport, la commercialisation, d'ailleurs, sera au cœur de ce sommet. Elle est la base de l'échange, de l'exportation et de l'importation du gaz. Qu'en est-il alors du métier du trader ? Le métier de trader est une profession complexe qui implique la négociation et la gestion des contrats d'achat et de vente de gaz naturel au niveau des marchés internationaux. Abdelraouf Irfoulma, ingénieur technico-commercial au niveau de la direction exportation gaz de Sonatrach. Pour un trader, il est crucial d'assurer un approvisionnement continu en gaz naturel tout en maximisant les bénéfices de Sonatrach ainsi que de l'Algérie. Le métier de trader exige une compréhension des marchés, la gestion des risques ainsi que les compétences de négociation solides, une veille constante pour s'adapter aux changements du marché. La réussite dans ce domaine repose sur la capacité à prendre des décisions rapides et avisées tout en minimisant les risques. Et quelles sont les étapes mises en œuvre pour la vente de gaz sur le marché international ? Abdelraouf Irfoulma. Il faut une analyse approfondie sur le marché. En tenant compte des facteurs tels que l'offre et la demande, la fluctuation des prix, les événements géopolitiques ainsi que les conditions météorologiques. Cette analyse permet de prendre des décisions éclairées sur les opportunités commerciales. Les négociations de contrats de vente et d'achat de gaz naturel. Ces contrats permettent de définir des conditions pour la transaction telles que les prix, les quantités, les modalités de livraison ainsi que les échéances. L'activité commercialisation a donc pour mission de veiller aux approvisionnements énergétiques du marché national. Sa première mission statutaire, garant du service public et à la valorisation des hydrocarbures liquides et gazeux, primaires et transformés, exportés sur les marchés internationaux. Mais pour la commercialisation, il est primordial de trouver un marché. Quels sont donc les principaux marchés de destination du gaz naturel exporté par Sonatrach et comment Sonatrach a établi sa réputation de fournisseur sûr et fiable auprès de ses clients? Mohamed Karim Kourich, ingénieur d'études commerciales au sein de l'activité commerciale Sonatrach. Les accords commerciaux, c'est des contrats entre Sonatrach et ses clients. La demande énergétique mondiale, c'est la demande à l'international, la demande de l'énergie à l'international et les partenaires stratégiques. C'est les accords entre Sonatrach et les partenaires. Et le gaz naturel exporté par Sonatrach est principalement destiné vers le marché européen, en raison de sa proximité géographique bien sûr, mais aussi vers d'autres destinations, telles que l'Asie. Depuis 60 ans, Sonatrach joue pleinement son rôle de locomotive de l'économie nationale. Elle a pour mission de valoriser les importantes réserves en hydrocarbures de l'Algérie. Cet acteur majeur de l'industrie pétrolière, surnommé la Major africaine, tire sa force de sa capacité à être un groupe entièrement intégré sur toute la chaîne de valeur des hydrocarbures. Mais alors, comment Sonatrach a-t-elle assuré l'approvisionnement en gaz naturel sur le marché national et quel rôle cela a-t-il joué dans la croissance économique du pays au cours des 60 dernières années ?
Souhila Bourlifa, assistante au département opération gaz au marché national. Sonatrach a découvert d'importants gisements en gaz grâce à ses activités d'exploration en lui permettant d'assurer un approvisionnement fiable et constant dont la demande connaît un accroissement moyen de plus de 6% par an durant les 30 dernières années, passant de 10 milliards de mètres cubes en 1995 à 27 milliards de mètres cubes en 2010 et plus de 50 milliards de mètres cubes actuellement. Sonatrach emploie sur le territoire national près de 50 000 employés permanents et plus de 200 000 personnes à l'échelle du groupe. Le groupe compte 154 filiales et participations, dont une quinzaine détenues à 100% et œuvrant au quotidien à la valorisation de la chaîne de valeur pétrolière et gazière de l'Algérie. Parmi celles-ci figure notamment l'entreprise nationale de géophysique Enageo, l'entreprise nationale de forage Enafor, l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers ENGTPI ou la société de commercialisation et de distribution des produits pétroliers Naftal. Un parcours de tant d'années qui nous pousse à nous poser la question: quelle est la position actuelle de Sonatrach sur les marchés internationaux? Nous avions rencontré Melha Aitali, assistante vente à la direction commercialisation GNGNL. Nous lui avons posé cette question et voici sa réponse. Sonatrach, étant une société énergétique internationale, a toujours cherché à renforcer sa position dans ses marchés traditionnels et à aller vers d'autres marchés, de nouveaux marchés prometteurs. Sonatrach étant le premier exportateur en Afrique et l'un des principaux fournisseurs des marchés gaziers européens et méditerranéens. De par, bien sûr, sa proximité avec ces marchés. Elle est première en Italie, en Espagne et joue un rôle très important en France, en Grèce, en Turquie. Melha Aitali, quels sont les efforts et mesures entrepris par Sonatrach pour accroître sa présence et acquérir de nouvelles parts de marché? Bien évidemment, toute cette stratégie dépend des investissements constants que Sonatrach doit fournir dans l'exploration et le développement des réserves, des nouvelles réserves. Le renforcement de la position de Sonatrach aussi dépend de GNL, car Sonatrach dispose d'un outil très important, les 4 complexes de liquéfaction et une grande flotte de méthaniers, ce qui lui procure une possibilité de diversifier ses exportations et mieux valoriser son gaz. Enfin, Sonatrach s'inscrit dans la durabilité et dans la transition énergétique par la réduction des émissions, l'investissement dans les projets des énergies renouvelables et des projets hybrides. Enfin, on peut dire que Sonatrach a tous les atouts pour renforcer sa position sur la scène gazière internationale. Sonatrach affiche clairement son ambition de devenir l'une des 5 premières entreprises pétrolières parmi les plus performantes et les plus rentables de l'industrie énergétique mondiale. Les maîtres mots de sa nouvelle stratégie sont l'excellence opérationnelle et l'innovation pour rester l'étendard de l'économie algérienne. Le Forum des pays exportateurs de gaz, un 7e sommet, le premier depuis la fin de la pandémie mondiale de Covid, un événement majeur de la scène énergétique mondiale, l'Algérie l'abritera. Des résolutions cruciales et décisives sont attendues pour une stabilité et sécurité des approvisionnements énergétiques en gaz conventionnel. Le marché fortement secoué par les tensions géopolitiques est plus que jamais concurrentiel avec le positionnement de nouveaux fournisseurs. La rencontre s'annonce donc déterminante. Elle sera aussi pour l'Algérie qui veut se placer désormais avec des capacités de production et de réserves gazières renforcées.